Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc désolée parce que j'ai un peu le nez qui coule. Donc c'est de Sophie Thalman, donc c'est ça, donc c'est une pochette, ma pochette fan de cheval, fan, c'est pareil. Voilà, donc là vous avez plusieurs petites robes de cheval, voilà. Je vais vous laisser regarder, je vais juste enlever ça. Donc derrière, après, dans l'emballage, il y avait le papier, mais je l'ai plus parce que quand même, ça fait un petit moment que ça que je l'ai. Voilà. Donc on va commencer à ouvrir. Dedans, ça se présente comme ça. Donc au début, c'est des autocollants. Il n'y a pas de truc de cheval, par exemple, hein, des photos. Donc déjà je vais commencer, donc il y a des autocollants. Ah ben voilà, c'était cette fiche qu'il y avait derrière, donc avec tout, donc il y a des autocollants, tout ça. Voilà, bref, plein de choses encore. Je pose ça là-bas, voilà. Donc j'ai deux pages d'autocollants, donc une page comme ça. Voilà. Et une autre comme ceci. Voilà. Donc ceux-là, je les pose quand je vais les poser. Donc toutes les autres pages après elles sont couvertes. Donc je vais juste ouvrir ça parce que ça va être dur à enlever. Hop là. Oula, en fait, pourquoi je n'arrive pas à l'enlever? Parce qu'il y a toutes les fiches dedans. Oh my god. Bon. Oh là là. Donc voilà. J'ai réussi à tout enlever, ça fait un petit moment. Alors, première petite affiche emballée qu'ils ont ouverte. Jour 1, il se trouve un poster de cheval. Comme ceci. Je vais un petit peu. Voilà. Comme ça, donc deux chevaux blancs, enfin gris puisqu'ils n'ont pas, pas les yeux bleus et la peau rose. Voilà pour le premier, normalement ça c'est le dernier, mais puisque j'ai fait, après ça va se mettre en dernier. Après une pochette bleue, je préfère la couleur. C'est encore un poster, donc un poster comme ceci. Alors si je regarde, c'est parce que pour voir si c'est tout bien en haut. Voilà. Comme ça. Je vais plus le décaler vers là. Voilà. Trop beau aussi, je trouve. Là, un poster. Donc là, comme ceci. Donc ça, je crois que c'est des selles français. Je ne suis pas très sûre. Ou des cheveux de course. Voilà. Niveau des oreilles, voilà, comme ceci. Je trouve trop mignon avec le poulain en plus, c'est trop beau. Les poulains, c'est trop chou. Je crois que c'est quatrième, donc rose aussi. Désolé. Alors là, c'est un truc pour dire bienvenue, donc c'est encore un poster écrit bienvenue, donc mais c'est plutôt bien, je trouve. Enfin, pour être bienvenue dans ma chambre par exemple, ou oula, dans ma cellerie, enfin dans un endroit à moi. Voilà. Ou par exemple devant ma porte, je l'accroche. Ou sur ma porte même. Voilà, trop mignon aussi, avec le petit cœur au milieu. On l'en laisse en profiter. Donc là, les posters, c'est fini. Ouais. Maintenant, c'est vers les exos et tout et tout. Donc, couverture. Désolé. J'ouvre. Et là, c'est les marques de tête. Donc déjà, il y a la plus connue, la liste et l'étoile. Et les autres sont là. Et là, il y a les balzanes. Donc il y a la grande balzane et tout et tout. Je vous laisse regarder un peu. Voilà.
Celle-là, c'est un peu rare qu'on les voit. Attendez, c'est laquelle où j'avais vu? Celle-là, moi, je vois pas souvent des chevaux avec là contre le nez et tout. Voilà, et là, sur les balsames, je vais m'approcher. Voilà. Ensuite, c'est une verte hein, pour un peu changer. Alors là, c'est le cheval de la tête aux pieds. Donc, comme ceci. Donc là, toutes les corps de la tête. Enfin, les parties de la tête. Oula, je suis toute rouge. Donc c'est normal parce qu'en fait c'est par rapport à ma lumière. Parce que des fois elle change un peu de couleur. Enfin, elle fait foncé, clair, foncé. Et c'est chiant. Voilà, là c'est la tête. Là c'est les différentes parties du pied. Ici, dans ce petit endroit-là. Et en bas, les différentes parties du filet. Donc du filet. On peut connaître la muserolle, la sous-gorge, la tétière, il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre là, plus même. Donc moi, pourquoi j'ai acheté ça? C'est pour passer mon galop 2. Il y a plutôt des choses que je connais pas, que je pense qu'on va faire au galop 2, c'est parce que c'est très... J'ai envie de le passer, le galop 1, je l'ai déjà passé, là-bas il y a mon affiche. Je vais pas vous le montrer sinon, enfin, je vais essayer, mais je crois que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Là-haut, alors, là où vous voyez un petit cheval, là où vous voyez le cheval en haut, mais derrière il y a une fiche et c'est ça. Voilà. Voilà pour la verte. C'est la fois que c'est le corps, enfin il y a le corps que j'ai beaucoup aimé. Ah mais là il y a encore un poster en vert. Lui il est pas très beau parce que enfin c'est pas très joyeux, enfin, c'est tous les chevaux sauvages, je trouve que c'est pas très beau. Voilà, vous voyez tout. Voilà, c'est pas mon préféré, franchement il est bof bof lui, il est pas très joyeux. Un bleu, ah voilà, ça j'aime bien. Donc là c'est le corps du cheval. Il faut beaucoup m'apprendre à moi. Voilà. Donc ça, c'est un vrai cheval qu'ils ont pris sur une photo et après ils ont mis les parties du corps. Voilà, je pense que vous avez compris. Ça, c'est le calendrier. Donc voilà. Un calendrier. Mais ils disent pas de quelle année parce que moi, mon anniversaire, ce sera un samedi. Et là, ils me mettent... Et lundi. Donc je pense que ça ce sera pour 2007. En 2017, désolé. Ou c'est déjà passé, j'en sais rien. Mais moi cette année ce sera un samedi, le 31 octobre. Et ce sera un samedi. Donc, franchement je suis plutôt étonnée. C'est pas les bonnes... Voilà. Et là, nous avons les robes. Donc les robes, je les connais presque toutes là-dedans. Ouais, je les connais toutes, donc ça ne sert plus à rien presque, mais je le garde. Voilà, les robes. Très important les robes. Très très très. Par exemple, quand je vous ai dit qu'il y avait des chevaux blancs, mais ils sont pas blancs, ils sont gris parce qu'ils n'ont pas les yeux bleus et la peau rose. Voilà. Donc, en tout, de tout ce qu'on a vu, il y a tout ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de trucs, franchement. Voilà, il y a tout ça avec les autocollants. Plus de ça en autocollants, il y a écrit. Je ne sais pas. Donc. Sophie Talman, c'est ma préférée cavalière. Donc elle passe au Rexidia Life. Tous les jours je regarde, enfin le week-end surtout. Car c'est la semaine, enfin c'est le week-end, c'est le plus moment où j'ai le temps de regarder Rexidia Life. Voilà.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like et voilà. Voilà, bisous.